Ok, bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Comme d'habitude, le code créateur Fintex dans la boutique Fortnite. Merci à toutes les personnes qui le penseront à le mettre dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, d'activer la cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va simplement obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement. Avant cela, n'hésitez surtout pas à utiliser mon code créateur dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Aujourd'hui, on va simplement obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement. Mais avant cela, n'hésitez surtout pas à rentrer le code créateur Fintex. Je sais, je fais que le dire, mais c'est vraiment très important. Cela me soutient vraiment énormément. Merci à toutes les personnes qui le feront. Simplement, pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, vous allez simplement vous rendre au lobby de Fortnite. Après avoir rendu au lobby, vous allez simplement faire start. Une fois sur start, vous allez simplement cliquer sur 1500 V-Bucks. Là, vous êtes simplement à faire achat en cours. Après avoir fait achat en cours, là, vous êtes simplement vite aller retourner au lobby. Là, vous êtes simplement faire un retour. Dans faire un retour, vous êtes simplement cocher la case blog. Dans sujet, vous êtes simplement écrire exactement la même chose que moi. Et dans corps du message, aussi la même chose que moi. C'est vraiment très important d'écrire exactement la même chose que moi. Après là, vous êtes simplement envoyer votre message à Epic Games. Là, vous allez confirmer votre message. Du coup, après avoir confirmé votre message, ce que vous allez faire, vous êtes simplement vérifier que vous avez bien mis mon code créateur dans la boutique Fortnite. Là, vous êtes simplement vite fait revenir sur 13 500 V-Bucks. Là, vous allez faire comme si vous alliez l'acheter. Après là, vous êtes simplement aller voir dans vos paramètres confidentialité. Là, vous êtes simplement vous mettre sur recevoir des kits d'opinion. Vous allez simplement vous mettre sur oui. Après là, vous êtes simplement mettre sur jouabilité. Là, vous êtes simplement vous mettre sur le serveur Moyen-Orient et vous allez tout simplement retourner sur auto. C'est vraiment très important. Après là, on fait ça, vous êtes simplement retourné sur 13 500 V-Bucks. Du coup, après avoir retourné sur 13 500 V-Bucks, vous êtes simplement cliqué une fois. Là, vous êtes simplement faire choisir le mode de jeu vraiment très rapidement. C'est vraiment très important de faire ça vraiment très rapidement comme dans la vidéo. Voilà les potes. Du coup, après, on va simplement cliquer sur le mode de Battle Royale. Après avoir cliqué sur le mode de Battle Royale, ce que vous allez faire, vous allez simplement attendre le chargement du mode de Battle Royale. Moi, du coup, j'ai un long chargement, je sais pas pourquoi. Du coup, tout simplement après avoir attendu le mode de Battle Royale, le chargement du mode de Battle Royale, normalement vous allez simplement attendre un ou deux jours avant de récupérer vos V-Bucks avant que Epic Games ouvre votre message et vous mette vos V-Bucks sur votre compte Fortnite de Battle Royale. Voilà, on espère vraiment que cette vidéo de glitch vous aura plu. C'était Fintex, comme d'habitude, le créateur Fintex dans la boutique Fortnite. Allez, ciao tout le monde!